Salut, salut tout le monde, salut mes frères maliens, salut chers Ivoiriens, c'est votre homme serviteur Ritor, celui-là qui est toujours là à vous mettre au parfum du tout et à réagir si des choses qui l'intéressent. Voilà, j'espère que vous allez très très bien. Très bonne reprise de travail à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va donner le verdict final du versus qui a opposé le grand maître, le grand cheikh, l'honorable, je ne sais pas quel nom dit encore, le respecté et respectable. Cheikh Haïdara, au jeune prodige et prince du rap africain malien, Ibawan. On se prend juste après le générique. Je pense qu'aujourd'hui, on va se comprendre. Ça, je suis sûr de ça. On se prend après le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je possède, à des firmes. Monde entier, souhaite. Bon retour à tous les pèlerins du Maroud dans leurs localités respectives. Invite toute la population du Mali à multiplier les prières pour le retour d'une paix définitive dans notre cher pays. Vive le Mali, vive le Maroud, fait à Bamako le 26 novembre 2018, le bureau exécutif national du groupement des leaders sociaux du Mali. Merci et à l'année prochaine. Ambe amfafo ane yanga imam noye Mohamed Usman Mohamed Usman Haidara naka makalafo ale groupement vice président abora ka discours mi ke to wukana obina dala mene amfafe Mohamed Mofa Haidara Mohamed Mofa Haidara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أمي مسات تنوكا بركة دا مسامني تنوكا كام مسامني بركة دا كا كسلام كنجي محمد كاتسنا مع صلى الله عليه وسلم ألامي عليك كاهينة دامفين بلا جليما Nanya Allah tanu kala barkada kasal an ku nabi Muhammadu ka ame kena min kan bi no ye guru mali de social movement di mali au président. Bon retour les gars, max de like, surtout max de like. Voilà, vous avez pu certainement voir une vidéo où il y a une foule de malades dans un stade. Voilà, je sais que beaucoup surtout les fans d'Ibawan diront que c'est le concert. C'est un des conseils de l'artiste, mais malheureusement, je dirais que ce n'est pas le cas. J'ai commencé par cette vidéo-là expressement pour faire comprendre à certaines personnes qui parlent sans réfléchir, à certaines personnes qui ne prennent pas le temps d'écouter les propos du jeune irritant que je suis quand je fais mes réactions ou mes analyses. Pour les dire, il ne faut pas vite se presser quand quelqu'un est en train de faire quelque chose. Voilà, je vous explique que je fais une vidéo enquête, une vidéo sondage. Pour définir du grand cheikh, de l'honorable, du respecté et respectable cheikh Haïdara et du jeune rappeur très influent Ibawan, c'est qui le plus influent au Mali? D'aucuns me disent que pourquoi comparer un homme de Dieu à un chanteur, à un artiste? Mais ça ne va pas là, excusez-moi, mais je suis obligé de vous dire que ça ne va pas. Vous pensez que quand souvent Forbes se lève, les grands magazines se lèvent et disent que la liste des 100 personnalités les plus influentes. Vous pensez que quand on dit les 100 personnalités les plus influentes du monde, là, c'est des gens qui sont seulement dans une catégorie qu'on choisit. On peut choisir un boulanger, on peut choisir un joueur, on peut choisir un artiste, on peut choisir un sportif. On parle d'influence, c'est-à-dire quel impact cette personnalité-là a sur le monde, c'est-à-dire sur la population mondiale ou même sur une population bien spécifique. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans ça-là? Le français n'est même pas compliqué. Je fais l'effort même de parler terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Mais il y a tellement de gens qui sont gauches, maladroits, de mauvaises intentions, qui se pressent toujours à laisser des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Mon gars, si tu n'as pas de passe, je peux comprendre. Mais si tu as un passe, prends la peine d'écouter tous les propos d'Héritor. Je parle d'influence. Dans ma précédente vidéo, j'ai précisé. Écoutez bien ça, c'est bien avant que je donne le verdict de qui je pense plus influent au Mali. J'ai précisé que je ne compare pas les deux individus, je compare leur influence.
de parler en quelle langue. Je ne maîtrise pas trop bien le bambara, même si je comprends certains brins. Souvent, comme je dis là, il ne faut pas faire chier le monde. Hein? Ne soyez pas coincés. Ne soyez pas coincés. Parce que je sais même que l'honorable, le grand, le respecté, le respectable, Cheikh Haïdara, si regarde cette vidéo, il va comprendre la vidéo de ce jeune-là que je suis. Mais c'est ces partisans, à la limite, je vais dire, bornés là, qui laissent souvent des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Qui ne connaît pas Cheikh Haïdara, qui ne connaît pas son influence au Mali, qui ne connaît pas même son influence à l'extérieur du Mali. Pour ceux qui ne savent pas, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai fait cette introduction là pour vous faire comprendre que quand on parle d'influence, on peut mélanger tout le monde, et les hommes de Dieu, et les sportifs, et des individus lambda, des personnes. On parle d'influence. Quel impact tu as sur un groupe de personnes? C'est ça une influence. Ça n'a rien à voir avec un homme de Dieu et un musicien. Quand ça vous dérange, vous évitez les vidéos directeurs. Voilà. Mais souvent, il faut qu'on apprenne à s'éduquer. Voilà, je ne peux pas vous éduquer, mais il faut qu'on apprenne à s'éduquer. Il faut bien comprendre les propos que j'emploie dans mes vidéos et arrêter d'être méchant gratuitement. Voilà. Je vais d'abord développer l'influence du grand Cheikh Haïdara que tout le monde connaît au Mali et même au-delà des frontières du Mali. Cheikh Haïdara est un prêcheur, un prêcheur très, 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 très influent qui a fait ses preuves, en tout cas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que la vidéo que vous avez regardée en début de vidéo là vous explique tout. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très influent. Je dirais même influent que le président du Mali. Je sais bien. Mais pourquoi j'ai fait cette enquête là? C'est parce que de l'autre côté aussi, il y a un jeu de Nandi Bawan qui fait aussi ses prouesses. Même si elles ne sont pas à la hauteur du grand Cheikh Haïdara, quoi de plus normal de demander au public malien et aux admirateurs de ces deux là, des deux, c'est qui le plus influent? Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Un Français simple comme ça là, on veut forcément voir un sorcier dedans, on veut voir forcément du noir dedans, je comprends pas. Il n'y a rien de mal dans le sujet. On en débat et c'est tout. Après mes enquêtes et par rapport à ma vidéo, même selon certains commentaires que j'ai lus, on me dit que l'influence de Cheikh Haïdara n'est pas comparable. Quand j'ai lu les commentaires, j'ai dit c'est pas faux. Mais je prends la peine d'aller regarder sur Facebook et YouTube. Et effectivement, j'ai vu des vidéos comme quoi le mec, il doit partir par exemple dans une localité. Et par exemple, pour atteindre cette localité, là, c'est par exemple, on dira 10 km. Et tout le long des 10 km, c'est bourré de monde. On dit que c'est ce monsieur-là qui fait ça. Vous comprenez un peu? C'est le mec, on vous dit, lorsqu'il organise une prêche, vous voyez des prêches dans une localité, généralement, il aime bien prendre les stades, les luttes très vastes, parce que son influence lui permet de remplir ça, et au-delà même. Les personnes qui sont à l'extérieur du stade sont doublement nombreux que ceux qui sont dans le stade. Et ils sont jusqu'à même obligés de mettre des écrans géants dehors. Parce que tout le monde veut écouter ce que le bon message que cette personnalité là va donner à son public. D'un autre côté, on a un jeune aussi qui s'appelle Ibawan. Franchement, de tous les artistes maliens, de ces 10 dernières années là, faut reconnaître que en matière d'influence, il n'y a pas ce comparable. C'est pourquoi je me suis permis d'aller comparer son influence telle qu'elle est au grand maître Cheikh Haïdara. C'est ce que vous devez comprendre dans la vidéo en fait. C'est rien de mal. Parce que le mec, il te remplit tous les stades du Mali. Le plus grand stade en question, le 26 mars de Bamako, il le remplit. Dernièrement, il est parti à Kaï, il a rempli. Tous ses concerts sont à guichet fermé. On me dit qu'Ibawan n'est pas international. C'est vrai, à une époque, Ibawan n'était pas chose internationale. Mais je me rappelle, sa tournée 2019 aux États-Unis et en Europe, ce fut un plein succès. Le jeune, à ses spectacles, Marie qui rappe en Bambara, j'ai vu des blancs là-bas, j'ai vu toutes. C'est-à-dire, tout genre de personnes là-bas. Voilà, que ce soit des Camerounais, que ce soit des Ivoiriens, que ce soit des Maliens, que ce soit même des Français. Tout le monde s'est déplacé massivement pour aller à ces showcases. Vous comprenez un peu? Donc, rectificatif, Ibawan est en train de devenir international. Mais la question de savoir maintenant, c'est qui le plus influent? Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est pas pour de manière fortuite que j'ai mis la vidéo là en début de vidéo. J'avais déjà ma petite idée de l'influence de ce grand chèque là. Mais je voulais juste voir un peu à quel point aussi le jeune Ibawan était influent. Et effectivement, au sorti de mes enquêtes et de ma vidéo précédente, je peux dire, oh les mains, que Cheikh Haïdara est doublement influent qu'Ibawan. Voilà, ne soyez pas jaloux, vous savez très bien que c'est la vérité. Parce que d'autres même vont jusqu'à dire, si ce mec-là se permet
de faire des prêches chaque mois, et il va les remplir. Voilà, vous savez très bien que je suis fan d'Ibawan, je suis fan du talent du jeune. Il est très inspiré, il chante superbement bien. J'ai commencé à aimer sa musique, mais quand il y a la vérité à dire, il faut la dire. Cheikh Dara surpasse largement Ibawan en matière d'influence sur la population malienne. Parce que c'est le mec, quand il vient en Côte d'Ivoire, il y a de l'engouement. Quand il va en Guinée, il y a de l'engouement. Partout où il se trouve, il y a de l'engouement. Il a des représentations c'est-à-dire dans tous les pays africains. Peut-être même à l'extérieur. Donc imaginez un peu combien de fois il est influent. Ce monsieur-là est vraiment, vraiment, vraiment influent. S'il s'amusait même à se présenter un jour aux élections présidentielles, hormis tricherie à part, et on va dire jalousie à part, il va gagner haut les mains. Ça, je vous le dis. Mais comme c'est un homme de Dieu, peut-être que cela ne l'intéresse pas. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Bien que Ibawan soit très influent au Mali, mais il y a plus d'influent que lui. Et lui, c'est Cheikh Aïd Dara. Voilà le verdict final que je tenais à vous donner dans cette vidéo-là. Si vous êtes d'accord, partagez-la au maximum. Et j'attends vos avis en commentaire. J'aime bien converser avec vous, vous le savez très bien. On se prend pour une nouvelle vidéo en cours de journée.